bateau ou à vélo, la vallée de la Lys ne laisse personne insensible au charme de sa biodiversité. L'association Lys sans frontières propose des balades fluvestres tout l'été. Au départ du port d'Averskerk dans le nord, les voyageurs embarquent dans un catamaran, une croisière de 2h30 pour rejoindre la ville d'Aire-sur-la-Lys. Un voyage tout en douceur pour se ressourcer au rythme de la nature. L'itinérance, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aujourd'hui au grand public parce qu'on a besoin de s'évader, on a besoin de revenir à la nature, de retourner aux choses essentielles. Donc le fait de prendre son temps en bateau, de passer tranquillement les écluses, les ponts-levis, on est déconnecté du quotidien et c'est ce qui plaît au public. Le retour peut se faire à vélo équipé d'une assistance électrique sur l'Eurovélo 5 récemment aménagé pour une randonnée un peu plus sportive étendue sur 13 km le long de la Lys. C'est vraiment agréable parce qu'on longe l'eau, on croise seulement des promeneurs, des cyclistes et ça c'est vrai que c'est agréable. Moi je suis citadine et c'est vrai que c'est très très agréable de pouvoir profiter un peu d'air frais, de nature et de verdure. Une journée de détente à s'offrir entre amis ou en famille pour un tarif de 16 € qui comprend la croisière en bateau et la location des vélos électriques. Les croisières Air Flandre Lys vous attendent jusqu'au 2 septembre.